Bonjour, bienvenue à la conférence de presse pour le film La jeune femme à l'aiguille qui est en compétition officielle cette année. Je vais présenter nos invités qui figurent dans ce film extraordinaire. Je vais commencer à l'autre bout de la table avec la productrice qui est responsable de Dagnaf, des Terry télévisées, Bullshit, etc., Malène Blenkoff. À mes côtés, producteur également, il a produit les deux premiers longs métrages de Magnus, Marius Wlodarski. À ses côtés, dans le rôle d'une vendeuse de bonbons qui a un côté extrêmement noir, bien au-delà des frères Grimm, elle est venue à Cannes en 2018 pour la première fois et depuis lors, elle a joué dans un très grand nombre de films. 2010, A Better World, 2012, A Royal Affair, 2019, Queen of Hearts. Donc, Trine Dirholm qui campe Dagmar. Elle est venue à Cannes en 2022, dans Godland, aussi Winter Brothers en 2017, parmi bien d'autres rôles. C'est un immense plaisir de vous présenter l'actrice Vic Carmenson qui joue le personnage de Caroline. Et enfin, le réalisateur et le co-scénariste qui est également acteur dans ce film. Ses deux longs métrages précédents étaient à Cannes en 2011, Without Snow, et ensuite Y avait The Here 2015, Magnus von Horn, réalisateur de ce film. Magnus, je ne veux pas poser une question stupide, mais ce film se déroule après la Première Guerre. C'est un festival de destruction. Votre film précédent concernant une autre catastrophe mondiale, c'est comment d'être ici en personne cette fois-ci? Est-ce que c'est une sorte de revanche, genre « je suis enfin ici » Oui. Tout cela me paraît très, très réel, très, très vrai. En 2020, on n'avait pas cette expérience de présence physique à Cannes. Cannes permet de promouvoir un film alors que les temps sont difficiles. Mais hier était absolument incroyable. Et compense sur le plan émotionnel tout le reste, physiquement, de monter les marches, de bien s'habiller et puis de se retrouver dans une salle où tout le monde fait une ovation à la fin. Mais c'est magnifique. C'était une expérience absolument incroyable. Vous êtes ici avec un grand nombre d'autres collègues qui sont assis au premier rang. Je vais commencer par la gauche, le chef opérateur de ce film. À ses côtés, Bezir Zedersi, acteur. Le co-scénariste Vina Langebeck. The film's editor, Agnieszka Glinska. Le monteur. Line producer Deborah Marlowe. Productrice Deborah Marlowe. Producer Michael Riggs. Producteur Michael Riggs. Qui a demandé que je ne le présente pas. Et enfin, le responsable marketing, Emily Zablonski. Magnus, nous avons aussi Tessa Oda qui est ici assis et qui a beaucoup contribué au succès de ce film. Magnus, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette histoire? Au tout début, c'est Lina qui m'en a parlé de ce récit ainsi qu'Elena.
Malena avait des idées bien arrêtées. Elle voulait absolument faire un film sur un fait qui s'est déroulé il y a très longtemps au Danemark. Et cette histoire était tellement horrible, tellement provocatrice pour moi, car j'ai mes propres enfants. Et à première vue, je me suis dit comment raconter une telle histoire, comment parler de ce crime ou comment tourner un film basé sur cette tueuse en série, comment raconter cette histoire et injecter un tout petit peu d'humanité. Évidemment, c'est ça qui m'a attiré. Avec un tel sujet, je me suis dit, il faut tourner un film d'horreur. Par contre, comme il a fallu très longtemps pour faire ce film, je me suis dit, en fin de compte, que ce qui m'intéressait, c'était l'être humain. Les personnages, d'ailleurs, prennent forme dans le film et on passe d'un film de genre à tout à fait autre chose. Et j'ai beaucoup aimé cette transformation, ce processus. C'était une belle découverte pour moi. Dans ce cas, le point de départ était totalement atroce et horrible, et j'ai fini par trouver une dimension humaine. Le récit devient beaucoup plus complexe, en quelque sorte. Ça va bien au-delà de ce que l'on pourrait penser au début du film. D'où le lien avec la société actuelle. Au début, c'était comme un film d'époque, car ces faits se sont déroulés dans un autre monde. Et je n'avais jamais tourné un film d'époque. Tous mes films sont très contemporains et traitent des réseaux sociaux. Je voulais justement m'en éloigner le plus possible de ce genre de thématique. D'où l'intérêt de tourner un film d'époque et en noir et blanc, car le film précédent était teinté de rose, en quelque sorte. Voilà la dynamique générale. C'était très spontané au départ, lorsqu'on a tourné ce film. Et cette fois-ci, au contraire, je voulais un film très chorégraphé, très bien pensé, très bien organisé. Il y avait un long processus de production et de pré-production, d'où ma question à Vic et à Trine. Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à ce film? Quand est-ce que Magnus vous a présenté ces personnages? En fait, j'ai commencé à m'y intéresser en plusieurs étapes. D'abord, lorsque le scénario en était à ses balbutiements, et à cette époque, je ne voyais vraiment pas Dogma. Elle n'était pas vraiment aussi développée dans ce que maintenant. Ensuite, 2 ans plus tard, on s'est réunis plusieurs fois et nous voilà ici. Et lorsque j'ai reçu le dernier script, c'est un des meilleurs que j'ai jamais lu. C'est un script complexe et pour moi, je suis assez familiarisé avec Dagma, qui est une sorte de personnage connu, historique. Et plusieurs personnes ont essayé d'en tirer quelque chose pour en faire une fiction. Mais ici, j'apprécie beaucoup l'approche qui a été adoptée, notamment avec Caroline, et notamment tout ce qui a été fait pour présenter la structure sociale du moment. On a été en contact de plusieurs fois au fil des années. Et donc, on a élaboré, on a préparé ce rôle ensemble. Ça a été un voyage très surprenant pour nous tous. Lors de la première réunion,
On a estimé que c'était trop tôt. Et on parlait de Dagma. Et tu avais un cure-dent. Et tu, à mon avis, j'ai vu Dagma lorsque tu utilisais ce cure-dent. Et tu m'as dit c'est trop tôt, donc ça m'a donné matière à réflexion pour continuer à écrire et revenir sur le sujet. Oui, j'ai déjà entendu cette histoire de cure-dent. J'ai reçu un email à peu près 3 ans avant le début du tournage, me demandant si j'acceptais de passer un casting. Et je n'avais pas beaucoup d'informations sur le projet. J'avais bien sûr entendu parler de Magnus, mais... Mais ensuite, j'ai eu le rôle, j'ai rencontré Magnus, j'ai lu le script et puis j'ai été vraiment enthousiaste. Et en fait, j'ai été la première à être choisie à l'époque. Et je connais bien Trine, que l'on se connaît depuis une dizaine d'années. Et Magnus. M'a raconté cette histoire de cure-dent. Et en fait, et qu'en est-il de Trine? Et elle a dit non, elle a refusé le rôle. Et ensuite, Trine a dit, mais non, elle n'a pas refusé le rôle, je n'ai pas refusé le rôle. J'ai voulu attendre un peu. Et je suis allé voir Magnus et elle a dit, elle n'a pas refusé le rôle. Et Magnus a dit, non, mais je ne veux pas la déranger. Alors j'ai suggéré qu'ils se parlent. Et j'ai entendu cette histoire de cure-dent de nombreuses fois. Depuis que j'ai eu le rôle, c'était il y a 3 ans, je crois. Eh bien, Magnus et moi, nous avons été très proches et j'ai eu le plaisir de suivre tout son approche, toutes ses différentes versions, tous ses projets. Et parfois, c'est un petit peu comme si on a envie de se cacher dans un trou de souris. Et puis on reprend des répétitions, et puis on a aussi eu beaucoup de rendez-vous à Copenhague, et c'est un grand privilège d'avoir pu travailler de cette façon. Ça a été plein de respect, et on s'est beaucoup amusé également. Il est important d'ajouter que je n'avais encore jamais travaillé au Danemark. Et c'était aussi pour moi une présentation du Danemark, où il y a beaucoup de gens très créatifs qui ont travaillé sur ce film, d'ailleurs. Oui, il y a aussi Tenn Peter, et nous avons été très heureux de travailler avec eux. Ça a été une excellente coopération à de nombreux niveaux. Une première question ici, Gallerelli de Suède. C'est un excellent film, et ce qui fait que ce film est excellent, c'est aussi la musique. On a l'impression que la musique sous-tend toute l'histoire. Pouvez-vous nous parler de la musique et de son compositeur? Alors, Frédéric, c'est quelqu'un qui m'a été présenté. C'est quelqu'un qui a énormément de talent musical et qui compose. Et la seule musique que j'écoutais lorsque je préparais ce projet, lorsque j'écrivais, c'était de la musique électronique. Ce n'était pas du tout ce que j'avais l'habitude de faire avant. Je pensais que c'était une musique qui correspondait bien à ce film.
mais peut-être pas tout à fait à la période. Ensuite, j'ai commencé à écouter la musique de Frédéric et je pense que j'ai tout de suite été transporté par cette musique. J'ai tout de suite vu que ça correspondait à ces personnages qui, eux, avaient peu de contact avec le monde extérieur. Et c'est ainsi que j'ai souhaité approfondir la question et j'ai fini par coopérer avec cette musique. Et la musique progresse tout au long du film et se termine par quelque chose de très moderne, ce qui nous rapproche de l'époque d'aujourd'hui et ce qui nous fait voir le film de façon différente. But also that it's a very internal. It's an internal music. En fait, c'est une musique très intime. Le son est excellent, l'image également. Comment avez-vous travaillé avec Oscar Skriver, qui s'est occupé du son? Ça a été une coopération très artistique et ça a été vraiment intéressant et agréable. Tout comme avec le chef opérateur, d'ailleurs. Nous avons tous ensemble essayé d'utiliser la façon dont nous percevons le cinéma du passé. Comment utiliser des éléments qui nous ramènent à quelque chose qui correspond à un monde révolu. Ça a bien fonctionné. Il y a certains moments où le son est beaucoup plus élevé, d'autres où il est beaucoup plus faible. Et on a utilisé le son pour façonner une certaine tension et pour avoir différentes images. On a différentes références. On s'est inspiré également de photos de l'époque, de films en noir et blanc anciens. On a voulu mettre un peu de couleur également, comme à l'époque de la Renaissance, mais pour moi, ce monde-là est plutôt en noir et blanc. Hello, Gabriela Bravo. Bonjour, Gabriel du Chili. Je vais poser la question en français si vous pouvez le traduire. We have earphones if you need a translation. Félicitations pour votre film, c'est un magnifique film et j'ai vu que vous avez soigné énormément votre photographie. La partie artistique est très soignée, très jolie, très joliment montrée. Pour montrer quelque chose de très horrible, très, très, très triste aussi. Donc je voudrais savoir comment avez-vous travaillé cette partie de la cinématographie, la photographie, d'une façon si jolie, et pour montrer quelque chose qui peut-être on ne voudrait pas voir. Merci. Well, I think Mihao, if you want to say something at this moment, feel free to. Si tu veux dire quelque chose tout de suite, vas-y, sens-toi libre d'ajouter ce que tu souhaites. But I mean, I can start. I can start. Je peux commencer. But I can start by saying, I mean, we work with Mihao. It's just our second film we do together. C'est le deuxième film que nous faisons ensemble avec Mihao. Et Mihao a commencé dès le début à travailler à ce projet. Le script n'était d'ailleurs pas prêt. Donc, lorsque nous avons commencé à parler du film que nous voulions faire, il était important dès le début de se dire qu'il fallait que l'on amène le public à nous suivre vers cette époque. On ne croit pas vraiment dans le monde dans lequel nous vivons. Et on voulait créer quelque chose qui, pour nous, rendait ce monde crédible
à l'écran. Et ça, ça a été le début de notre coopération sur ce projet. On voulait créer notre propre impression en noir et blanc. On voulait recréer tout cela, recréer ce monde qui était un monde empreint de tonalités en noir et blanc. Et il était très intéressant de voir la façon dont nous avons travaillé avec Magnus. Pendant à peu près 2 ans, nous... Enfin, je répète un peu ce que vient de dire Magnus, mais pendant à peu près 2 ans, on s'est posé beaucoup de questions sur l'image. On a revu nos films favoris. On a essayé de voir ce qui était le plus passionnant pour nous. Et on a essayé de se lancer dans une direction, dans une perspective assez générale concernant l'image. Et on a voulu être honnête. Le plus important pour nous était d'être honnête en comptant cette histoire, en présentant toute l'intrigue de ce film. Et de ne pas se reposer uniquement sur les aspects visuels. Ce qui comptait pour nous, c'était l'aspect émotionnel. C'était cette approche émotionnelle dans la façon de raconter cette histoire. Alors, arrêtez-moi si je parle de trop, mais ce que nous voulions, c'est faire quelque chose qui mettait l'accent sur la mise en scène. Nous voulions un film qui semblait être bien réfléchi et qui correspondait à ce que vous pensez des méthodes qui étaient utilisées à l'époque. On avait des miniatures avec ce film, on filmait des immeubles, mais ils étaient miniatures, il fallait que ce soit invisible, il fallait qu'on recrée une sorte de sensation liée à l'époque. Et il y a 2 films qui comptaient beaucoup pour nous, c'était La liste de Schindler et Oliver Twist de David Lean de 1948. Ces 2 films nous ont beaucoup inspirés dès lors que l'on étudie la façon dont les scènes de ces films sont créées. Allô? And also Nick Nivola, I don't know what's the English name of this film. It's like a Polish classic. C'est un classique polonais qui est intitulé Nobody Calls. And what's also funny, like you know, an interesting. Et là, ce qui est intéressant, c'est. Shot it like our film, the same city. On a tourné dans la même ville en Pologne, d'ailleurs. Et moi, j'ai été très inspiré par ce film. Et c'était une coïncidence que l'on fasse ce film au même endroit. Lorsque vous travaillez pour préparer un personnage comme celui-ci, est-ce que vous recherchez de vous inspirer d'exemples semblables dans des films anciens? Je ne sais pas si je peux répondre de façon générale, mais je pense que chaque film et chaque réalisateur exige une approche différente, au moins en ce qui me concerne. Nous avons beaucoup parlé de ce film dans la préparation. Nous avons aussi beaucoup parlé de la façon dont Caroline, comment dire, de la façon dont Caroline présente un personnage complexe. Et nous n'avons pas vraiment voulu nous plonger dans l'époque, comme pour la cinématographie, pour l'aspect noir et blanc. Ça, c'était plutôt ce qui nous rappelait la référence à l'époque. Par exemple, il y avait des éléments qui rappelaient des contes de fées. Par exemple, les robes de Caroline. Parfois,
J'avais l'impression que, avec Magnus, à la suite de toutes les conversations que nous avons eues, je ne me souviens même plus, vu le nombre de conversations que nous avons eues ensemble, si nous avons abordé tel ou tel sujet. Par exemple, nous avons testé les premiers costumes. Et s'il y avait des aspects argentés, il y avait des aspects de différentes couleurs, ça ressemblait peut-être à une robe de Cendrillon. Et là, j'ai dit, Yann, c'est-à-dire celui qui s'occupait des costumes, pourrait trouver quelque chose de très stéréotypé avec des sous-vêtements féminins, avec des soutiens-gorge, avec quelque chose qui correspondait peut-être plus au personnage. Et c'est comme cela qu'on a fait nos choix. Et ça a été la façon dont nous avons approché l'époque. Parfois, nous sommes reposés aussi sur notre intuition, sur différentes idées. Et Caroline, in a situation, of course, like in a time and age where women et dans une situation à un certain âge qui n'est pas si différente que cela des femmes de son âge aujourd'hui. Donc parfois, on a même l'impression que ce n'est pas un film d'époque. Ce qu'elle vit est en fait universel et je suis très fier d'avoir pu co-créer un personnage qui vit dans ces circonstances-là et qui a comme une voix intérieure qui lui dit qu'il y a plus que cela à la vie. Et je pense que tout cela est très inspirant. Elle a un côté opportuniste, mais elle endure beaucoup. Et elle n'abandonne pas. Elle ne veut pas se stabiliser. Parfois, il y a des situations où elle en assume les conséquences et elle se dit au fond qu'elle veut mener une bonne vie. Et elle essaie, là où elle se trouve, de mener une bonne vie. Et voilà, c'est un véritable personnage d'un film d'époque. Et donc, c'était une longue réponse à cette question. Je voulais ajouter qu'avec un film comme celui-ci, il faut souligner le fait que l'on ne commence pas le film en nous disant c'est au Danemark en 1920. On veut que ça résonne aussi aujourd'hui et qu'on ne voit pas le film comme étant uniquement un film d'une histoire qui se situe après la Première Guerre mondiale. Donc, c'est très important pour nous tous de se dire que c'est un film sur toutes les personnes qui ont des difficultés dans le monde, qui ont du mal à s'en sortir et qui se trouvent dans une certaine vie, dans un certain contexte qui n'est pas simple. Et on sait tous qu'à l'époque, les femmes avaient une vie très difficile avec des gens qui ne fonctionnaient pas de façon normale. Et je pense que ce que nous avons fait, c'est de présenter aussi des images en noir et blanc qui montrent comment l'on peut souligner la beauté de la vie dans un contexte de cruauté. Les opposés se rencontrent et c'est là l'essence même de, on pourrait dire, du succès de ce film, de la façon dont le film raconte cette histoire. Et on doit en tirer des leçons.
car tout le monde peut refléter, peut se retrouver dans ces personnages, grâce notamment aux acteurs, grâce à la mise en scène qui, dès le début, sonnait juste. On ne connaît rien sur son passé, le passé de ce personnage. Est-ce que vous et Magnus, vous avez essayé d'étudier son passé? En fait, non, ce n'est pas le cas. On en connaît beaucoup sur son passé, car c'était un personnage qui a réellement vécu. Et j'ai lu un livre il y a de nombreuses années sur ce personnage, justement, qui a existé. Et je l'ai relu récemment. Et on s'est inspiré aussi de Oliver Twist, c'est-à-dire ce côté impossible à prévoir, imprévisible. Et on a vu L'Exorciste, on a vu Lighthouse. Mais ça a été tellement inspirant de voir toutes ces références parce que c'est un personnage tout à fait particulier. On n'a pas vraiment envie d'en savoir beaucoup sur elle. On veut tout simplement comprendre le contexte dans lequel elle se bat. Et comment en tirer quelque chose d'humain? C'est cela qui m'intéresse, comme toujours. Je ne veux pas défendre le comportement de ce personnage ou le justifier, mais je veux montrer la situation chaotique dans laquelle ce personnage se bat. C'est un personnage, c'est une femme qui devait être extrêmement solitaire, et extrêmement seule. Et cette jeune femme pouvait s'occuper de ses enfants. Je pense qu'elle aimait beaucoup ses propres enfants, mais elle savait qu'elle n'était pas capable de se comporter comme une vraie mère. On sait aussi qu'elle a été abusée lorsqu'elle était enfant, qu'elle a eu une vie extrêmement dure, mais elle a aussi ses côtés psychologiquement perturbés. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa tête ni dans sa vision de la moralité. Mais elle pense qu'elle fait quelque chose de bien. Elle croit qu'elle peut mener une bonne vie. Et à la fin, lorsqu'elle est au tribunal et qu'elle dit: qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Elle racontait des histoires avec talent. C'était peut-être des histoires inventées d'ailleurs, ça on le sait. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement merveilleux qu'elle puisse calmer toutes ces jeunes femmes et en leur racontant une belle histoire, en leur faisant croire que les enfants peuvent mener une bonne vie, mais ce n'était pas du tout la réalité. Enfin, c'est un personnage très complexe. Juste un point avec la mise en scène. J'en suis très satisfaite. Je pense que Magnus a été très intelligent de ne pas être trop explicite avec les crimes. Les choses sont présentées avec beaucoup de goût. Et c'est très émouvant. Et on ressent les choses, on ressent ce qui se passe, mais on n'est pas effrayé. Et je trouve que ça, c'est très important dans ce film. On sait qu'il y a un meurtre lourd qui a lieu dans ce film. Bonjour, une question de Hongrie pour le réalisateur. Dans votre film précédent, souhaitez-vous parler de l'identité féminine par l'expression du corps? Et dans ce film-ci, c'est un petit peu la même chose. On a les mêmes éléments dramatiques. Pourquoi avez-vous décidé
de garder cette approche. Eh bien, j'ai souhaité garder cette approche parce que je vais continuer dans cette approche, non seulement à avoir un personnage principal féminin, mais aussi des personnages principaux masculins, mais je pense qu'il s'agit surtout de gens qui recherchent désespérément l'amour, qui veulent qu'on les embrasse, qu'on les prenne dans les bras, mais c'est ce qu'ils veulent vraiment intérieurement, mais ce que le monde extérieur leur offre est complètement différent. Il y a une énorme barrière qui fait obstacle à leurs souhaits. Ils ont du mal à atteindre leurs désirs et ça crée un conflit intérieur. Je continue sans cesse, peut-être inconsciemment, à revenir à ces questions. Là, c'est ce que je trouve intéressant dans les différentes histoires que l'on peut raconter. Votre comparaison est extrêmement valable. Je pense que dans Sweat, et aussi bien que dans le film d'aujourd'hui, nous avons des points communs. L'emballage, si je peux dire, est différent. Ça, c'est le défi de la réalisation. Mais intérieurement, je crois qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas un choix, c'est comme cela, c'est tout. Thank you. We have a question on the left. Okay. So, hello, my name is Ma'am Sarbastan. Bonjour. Ma question est pour Magnus. Pouvez-vous nous parler d'un moment mémorable pendant le tournage qui vous a particulièrement frappé? Il ne s'en souvient pas, il ne se souvient de rien. Non, je n'ai aucune mémoire de tout cela. C'est une bonne question. Moi, je pense j'ai eu l'impression que ce qui était essentiel, c'est lorsque nous avons tourné les scènes en extérieur, dans la rue. Et nos actrices principales dans ces scènes ont travaillé d'une façon qui sonnait juste. Sur le moniteur, je voyais que ça allait marcher visuellement. Ma plus grande préoccupation était de saisir ce monde. J'avais ici des actrices de grand talent qui, sur le plateau, étaient exceptionnelles, mais il fallait que l'on montre suffisamment de saleté, qu'on ait les bons costumes, qu'on ait toute l'atmosphère de la rue qui correspondait, qui sonnait juste. Et lorsque j'ai vu sur le moniteur que ce monde-là existait dans certaines prises, comme par exemple dans les bains, eh bien, j'ai vu que l'on avait trouvé la bonne atmosphère. Bien sûr, cette prise-là correspondait parfaitement à ce que nous voulions montrer. C'est une prise qui avait une référence très importante que Mihao connaît, mais lorsque tous les figurants marchent, etc., tout cela, c'est la magie du cinéma. Et bien sûr, il y a une voiture qui passe et ça tombe pile au bon moment. C'est tout à fait mémorable. But also, I would say, sorry, I will let you say something. But also the, but I don't want to spoil. Mais je ne veux pas non plus en dire plus parce que je ne veux pas dévoiler ce film. Je me souviens quand Caroline marche et puis elle monte les marches avec un bébé. Magnus était tellement heureux de cette prise. Il m'a pris la caméra et il voulait filmer lui-même.
Non, moi je ne savais pas cela, j'ai pas su ça. Il fallait au moins que je tourne une prise moi-même. Nous, on était assez occupés pendant le tournage, on avait beaucoup à faire. Et j'ai mis mon costume et puis je suis revenu tout de suite sur le plateau. Une dernière question. Félicitations pour ce grand film. À la projection hier, je ne savais rien de ce film. J'essaie de ne pas trop m'informer avant de voir des films, mais j'ai entendu des gens me dire, est-ce que vous êtes sûr d'y aller? C'est très sombre. Et le film commence. Il y a de nombreux visages à l'écran. Et effectivement, tout est sombre et le film commence. Et avec le recul, après la projection, je me suis dit que on oublie un peu cette introduction lorsqu'on plonge dans cette histoire. Et on pense aux différents visages. Et je voulais en débattre avec vous. Tous ces visages sont superposés. On ne sait pas qui est qui. Et bien sûr, il y a un monstre dans le film avec son masque. Mais le vrai monstre, en fait, sourit beaucoup. Donc, quel était le message que vous avez voulu faire passer avec tous ces visages au début? Mais c'est exactement comme vous le dites. Je pense que vous interprétez très bien cette question. C'est juste une introduction. On voit le visage de personnes qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas quel rôle ils vont jouer dans le film. Plus tard, ils réapparaissent et ils constituent une sorte de cauchemar pour Caroline. Mais ces visages sont les visages de différents personnages. Et quand je pense à cette histoire, Caroline évolue dans le monde dans lequel elle se trouve. Et ce n'est pas qu'elle est victime d'une ruse, elle n'est pas kidnappée par Dagmar, elle y va de sa propre volonté, elle revient par sa propre volonté. Il y a quelque chose qui la connecte à Dagmar. Il y a quelque chose qui établit un lien entre tous ces personnages. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement d'explorer ces liens et de voir de quelle façon Caroline, qui est le personnage principal, a tous ces personnages en elle. C'est son propre voyage intérieur. Et de cette façon, je pense que c'est pour cela que j'ai voulu montrer tous ces visages. À un autre niveau, mais c'est quelque chose que j'ai perçu un peu plus tard au moment du montage. C'était là dans l'histoire, mais je voyais à l'écran que Caroline passait à travers différentes phases, voyait différents visages, elle se retrouvait avec différents personnages, elle l'absorbait comme différents visages. Oui, j'ai pensé au masque, un visage à poser sur un visage et encore sur un autre visage. C'est un petit peu les histoires que l'on se raconte à soi-même lorsqu'on en a besoin. C'est comme la psychologie des miroirs. Les miroirs sont une partie importante de ce film. In a way, almost kind of like Harry Potter, H.C. Anderson. C'est comme des passages de Harry Potter, more or less all of the archetypes within, où l'on trouve pratiquement tous les types possibles sur le plan artistique. On a comme des chapitres lorsqu'on raconte l'histoire. Mais où se trouve la vérité dans tout cela?
fucking scary. You know what I mean? And, vous voyez ce que je veux dire? Yeah, so it's very meta, but in a way also, to be honest, like extremely. C'est extrêmement. What is the word when something is? Je cherche le mot. Existential and. Je dirais existentiel. It's not banal, but I can't. C'est pas banal, it, you know? Mais je ne trouve pas and un autre mot. These, like, different masks and chapters. Et ces différents masques et tous les chapitres de la vie de Caroline. Avec Peter et Dagma, c'est, et plus la musique, plus le son, toute cette atmosphère est construite et correspond à des aspects psychologiques et profonds. C'est très bien fait, ça s'imbrique très bien. Magnus, bien sûr, merci beaucoup pour toutes ces explications et merci d'être venu ce matin.